tous, bienvenue sur les petites créas de Marion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui fera l'objet d'un tutoriel. Donc, c'est un album photo que ma maman m'a commandé pour offrir à deux de ses collègues de travail. Donc, j'ai pris les collections Champs de Coquelicot, donc les sets de tampons avec les dies, et les papiers design, les petits rubans, les petits sequins. Et puis je crois que c'est tout. Donc on commence avec une étiquette sur le dessus avec une shaker. Voilà. Sur les tranches, vous avez j'ai mis des coquelicots que j'ai découpé avec les dies et que j'ai mis du glossy accent sur les contours pour un effet un peu brillance. Donc pareil sur l'autre tranche. Et c'est fermé avec un double ruban. Et donc l'album se compose en trois parties. Donc la première partie, donc toujours avec les coquelicots sur en petite déco avec du glossy dessus. La première page, vous avez une carte pop-up comme ceci. Ensuite, vous avez un double rabat en bas, donc toujours avec un petit coquelicot que je n'ai pas collé à fond pour qu'on puisse glisser une petite photo. Ici également, il n'est pas collé jusqu'au bout. Et ici, un double rabat également, avec toujours un petit coquelicot que je n'ai pas mis jusqu'au bout, et toujours des espaces photos. Au milieu, nous avons un ruban qui maintient une cascade. Voilà. Ensuite, le deuxième. Vous avez sur la partie de gauche un petit tag. La partie de bas, toujours mes doubles rabats avec toujours un petit coquelicot qui n'est pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser une photo derrière. Pareil sur le devant, là j'ai fait un petit pochoir avec un dies. Et au milieu, vous avez une filière d'enveloppe avec un tag où vous avez des tamponnages dessus. Voilà. Donc il est très simple, hein. J'ai essayé de faire au plus simple pour que ça soit accessible à tout le monde. Et le dernier, donc le dernier est un peu plus compliqué que les autres, on va dire. Il y a un peu plus de détails. Donc là, sur le côté, vous avez une mini filière d'enveloppe avec des tags dedans. Ensuite, en bas, vous avez des rabats, non pas sur devant, mais sur chaque côté, toujours avec mon coquelicot qui n'est pas fermé, qui n'est pas collé jusqu'en bas pour qu'on puisse glisser une photo en dessous. Celui-ci, je crois bien qu'il est... Ah non, il n'est pas collé non plus. Je crois pas. Non, il n'est pas collé non plus jusqu'en bas. Voilà. Et en haut, vous avez juste un rabat sur le côté. Et au milieu, donc c'est une carte coulissante, j'avais ça comme ça. Et donc tout simplement, on va venir faire coulisser le petit carré pour libérer mes espaces photos. Et ça, sur les... deux côtés. Hop. Donc voici pour cet album. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour le commencement du tutoriel. À bientôt !